Ingrid Chauvin, demain nous appartient, Twitter divisé par la série de TF1. Lundi 17 juillet, TF1 a diffusé le tout premier épisode de son nouveau feuilleton estival, Demain nous appartient. Porté par Ingrid Chauvin et Laurie Pesté, la série raconte l'histoire d'une mère à la recherche de son fils. Une histoire aussi bouleversante que prenante. Mais a-t-elle convaincu les internautes? Non Stop et Hop vous donne quelques précisions. Ingrid Chauvin joue dans la nouvelle série de TF1, Demain nous appartient, qui va être diffusée tout l'été. Une saga suspense que TF1 aimerait diffuser encore à la rentrée. À condition que les audiences soient bonnes et que le public soit donc au rendez-vous. Lundi 17 juillet, les téléspectateurs ont pu découvrir le premier épisode de Demain nous appartient. Explosion, larmes et émotions, le premier numéro de Demain nous appartient commence fort. Mais a-t-il convaincu les téléspectateurs? C'est tellement bien, mais c'est stressant à en croire les divers commentaires laissés par les internautes sur Twitter, la série de TF1 divise et bon premier épisode, à voir ce que donne la suite demain, ils ont pris le bon générique qui reste bien en tête. Oh mon dieu dièse de Mnoussar tiens c'est tellement bien, mais c'est stressant, et le flop de l'année revient à El dièse de Mnoussar tiens, mauvaise écriture, mauvais jeu d'acteur même Ingrid Chauvin ne sauve pas le truc, c'est vraiment bien, peut-on lire sur Twitter. Côté audience, c'est un carton. Quelques 3,3 millions de téléspectateurs ont visionné le premier épisode de Demain nous appartient sur TF1, soit 22,8 de part d'audience. Un très bon score pour cette série diffusée à la place de The Wall, le jeu de Christophe Deschavannes. Par Emma.